la gueule belle. Les granos leur font chier avec leur macrané, leurs grands vêtements fleurir et leur air abrutir. Et quand tiennent les tapons assez nombreux visiblement, pour des enfants à qui ils donnent des noms de granola. Pluie Gautier, soleil la flamme, arbre la forêt, la soirée, ce sont des noms ridicules qui font chier. Pour faire contre moi, assez noms granola, moi si j'ai un enfant, je suis pas qui un nom méchant. Moi si j'ai un fils, je l'appellerai pas Fabrice, ni Patrice, je vais le nommer être un Robert. Être un Robert. Être un Robert. Être un Robert. Si les canaux l'en peuvent donner aux leurs noms de frères, et le vétérinaire donner aux siens des noms de chiens. Si les communistes peuvent donner des noms communs aux leurs, moi qui suis ami, si j'en ai, j'appellerai mon premier Hitler. Mon exemple ne manquera sûrement pas de faire boule de neige, si bien que dans quelques années, dans tous les collèges, quand le professeur va prendre les présences, ça ne sera pas rare. Bon, non, tant, il va faire un vitail, Staline une Guillaume, Paul Pot-Massicot, Madame Lapalle, Hitler Robert. Hitler Robert! Hitler Robert a foxé, il s'est encore défilé. Malgré toutes les remontrances, il multiplie les absences. Au lieu d'aller à l'école, comme les autres petits mongols, il joue aux jeux vidéo, il vole des revues porno. Il va fumer en cachette, mettre la marde des boîtes à lettres. Il dégonfle les tailleurs de l'auto du directeur. Malgré tous les coups de strap, il ne change pas de cap. Il s'achante dans sa dérape, impossible qu'on le réchappe. Il est nul, il est nul, il est nul. Fight, fight.